Non, la semaine s'est bien déroulée. On reste sur la victoire avec le match de Guingamp, donc c'est une bonne semaine. Une semaine un peu plus courte qu'à l'accoutumée, comme on joue demain soir, donc ça c'est bien aussi. Maintenant, on a essayé de bien récupérer, de remettre tout le monde sur pied pour que l'effectif soit au complet demain soir, et ça c'est une bonne chose. Qu'il faut rester toujours vigilant, on l'a vu, même à 10 contre 11, on s'est fait avoir sur deux ballons en profondeur, donc c'est des choses qu'on doit améliorer. Donc essayer de donner le moins d'opportunités possible à l'adversaire pour qu'il puisse nous mettre en difficulté. Donc ça, c'est des choses qu'on avait déjà bien établies entre nous et qu'on avait bien échangées. Et l'idée aussi, ce qui était plutôt sympa, c'est d'avoir quatre buteuses sur ce match de Guingamp. Ça, c'est important pour nous, d'avoir plusieurs personnes qui peuvent mettre l'adversaire en difficulté. Ça reste des choses qui sont plutôt intéressantes pour nous. Ouais, bien sûr, on a la chance d'avoir tout le monde sur le pont, hormis Néamine qui a une petite douleur, donc on est vigilant avec elle, mais tout le monde est sur le pont pour demain. Impatient d'être à ce match, parce qu'aujourd'hui, PSG reste sur une série très très bonne en championnat, avec 4 victoires, donc 12 points. Nous, on reste aussi sur une série de 3 matchs sans défaite. L'objectif, c'est de la faire perdurer le plus longtemps possible. Eux aussi, je pense qu'ils ont un objectif, c'est de vouloir gagner ce match pour continuer leur belle série. Voilà, à nous d'être ambitieux sur ce match, d'être vigilants et d'y aller avec beaucoup d'humilité pour faire le meilleur match possible. Merci à tout le monde et puis à demain pour venir nous supporter à Poissy.